Plus en plus de gamers PC recherchent le maximum de performance pour chaque dollar dépensé. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter la R9 270X Gaming de chez MSI. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Carl de la chaîne Monsieur TechQC, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va vraiment super. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la MSI R9 270X, de son emballage aux performances, en passant bien évidemment par les spécifications. Tout d'abord, faisons un tour général de l'emballage. Sur le devant, nous retrouvons le logo fétiche de gaming MSI, la nomenclature de la carte ainsi qu'une recommandation par Team Fnatic. Sur le dos du carton, nous retrouvons sommairement les logiciels compatibles sans oublier les éléments clés de la carte. Du côté de l'emballage et du bundle, nous retrouvons deux adaptateurs Molex à 6 pins, le CD de driver, un adaptateur DVI à VGA, les fascicules de publicité MSI et finalement la R9 270X dans son sachet antistatique bien placé dans une forme très dense. Par la suite, faisons un tour physique de la carte. Tout d'abord, nous pouvons apercevoir le système classique de refroidissement de chez MSI, le système Twin Freezer qui vous offre un refroidissement silencieux avec ses deux ventilateurs asymétriques. Au bas de la R9 270X, nous voyons les deux conducteurs de chaleur en aluminium qui répandent la chaleur au radiateur et qui se répandent sur toute la carte et qui même dépassent de quelques centimètres pour un refroidissement accru. Par ailleurs, au niveau de la connectique, MSI a placé un port DVI-I, un port DVI-D, un port HDMI et bien évidemment un port DisplayPort. Et finalement, sur le haut de la carte, MSI a placé deux prises 6 pins et le logo MSI, tous deux accompagnés de la Switch BIOS hybride. Maintenant, sautons au vif du sujet avec les spécifications de cette carte. La MSI R9 270X regroupe une cadence de base de 1030 MHz, une cadence de boost à 1120 MHz, 2 GB de DDR5 à 5600 MHz et finalement un débit mémoire de 256 bits. Et enfin, la question qui intéresse tout le monde, comment cette carte performe-t-elle? Eh bien, sans plus tarder, passons au benchmark. Et bien, c'est sur ces résultats que ma présentation et review de la MSI R9 270X Gaming se conclut. N'hésitez pas à laisser un like et à me suivre sur YouTube, Facebook et Twitter. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!